Je suis Richard, développeur à Elao. C'est une agence à Paris, Lyon. On est spécialiste Symfony, React, mais je ne vais pas vous parler ni de PHP, ni de React, ni d'autres choses. Je vais vous parler de planification de rendez-vous avec OptaPlanner. On a travaillé pour, enfin, on travaille toujours pour un client qui s'appelle Proximum, pour lequel on a développé une application c'est une plateforme de gestion d'événements. Il y a plein d'événements là. Depuis début 2017, on en a géré une trentaine. C'est un événement pendant un ou plusieurs jours où les gens vont venir se rencontrer. C'est des professionnels. Comment ça se passe? Plusieurs semaines à l'avance, en fait, il y a une plateforme qui se lance, ils s'inscrivent. Il y a un catalogue des participants et ils se demandent en rendez-vous. Je ne sais pas si ça se voit bien là. Il y a un moteur de recherche, ils se demandent en rendez-vous. Ils acceptent aussi les propositions des autres, ils refusent aussi, malheureusement. Quelques jours, voire quelques heures avant l'événement, il y a un planning des rendez-vous qui est généré, puisque toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites. Le participant à l'événement, il a accès à son agenda. Notamment ici mobile. Donc là, c'est la plateforme sous Symfony, etc. L'événement, ça se passe comme ça, grosso modo, hein. Là, c'est le truc un peu le moins glamour, on va dire, dans des box un peu fermées, etc. Mais il y a des trucs un peu plus sympas. J'ai pas mis en photo où ça se passe dans des lieux prestigieux comme l'hôtel de ville de Paris. Et donc, le but de l'organisateur, c'est pendant ces événements, c'est de maximiser le nombre de rendez-vous. Pour les participants, d'être satisfaits, c'est-à-dire d'avoir le maximum de demandes de rendez-vous transformées en rendez-vous. Et pour transformer une demande de rendez-vous en rendez-vous, il faut un créneau de rendez-vous, puisqu'en fait les journées pendant l'événement sont subdivisées en créneaux, et d'avoir un lieu de rendez-vous, notamment le box, un stand, etc. Et ça, on peut en avoir beaucoup, et sur certains événements, un peu moins. Donc ça peut être assez problématique. Si on veut calculer l'ensemble des combinaisons possibles de tous les rendez-vous, on a un problème exponentiel. Plus on a de demandes, plus on a de créneaux de rendez-vous, plus on a de participants, plus le problème est compliqué à résoudre. Et en fait, il y a aussi pas mal de règles sur les crédits de rendez-vous, sur les lieux indisponibles, les participants indisponibles. Ils peuvent venir le matin, ne pas venir l'après-midi, etc. C'est ce qu'on appelle un problème NP complet. Alors, je vais corriger la présentation du départ. C'est pas du machine learning. Là, en fait, on parle de problème NP complet, c'est-à-dire que calculer l'ensemble des combinaisons pour avoir la solution idéale, c'est quasi impossible. Il faudrait une éternité avec plein d'ordinateurs, c'est ce qui n'est pas possible. Sachant qu'il faut qu'on sorte un planning en 30 minutes. Voilà, le principe, c'est de chercher une solution approchée avec des algorithmes d'approximation. On s'est intéressé à l'algorithme génétique. Bon, sympa. Algorithme de colonie de fourmis, c'est un peu le schéma, c'est toujours l'approximation de trouver le bon chemin. C'était intéressant, mais assez complexe, surtout qu'on fait du PHP et on a fait une preuve de concept où on itérait, on cherchait la bonne solution, très vite, time out, quoi. On s'est tourné vers d'autres langages. On s'est dit, tiens, on va regarder du côté de Go ou autre chose. Bon, voilà. On est tombé sur OptaPlanner, une solution open source écrite en Java. C'est chapeauté par Red Hat. Red Hat, oui, c'est ça. Sous licence Apache Software, donc voilà, c'était assez poussé, ça a 10 ans. Le problème, c'est du Java. Bon, c'est pas grave, on va voir. Sous le capot d'OptaPlanner, en fait, il implémente pas mal d'algorithmes de construction heuristique. Grosso modo, c'est des algorithmes qui vont, par la découverte, par l'exploration, trouver des solutions acceptables. Aussi des algorithmes de recherche locale. Qui vont prendre le problème, le subdiviser en petits problèmes et chercher des optimums locaux. Ce qui est pas mal avec OptaPlanner, c'est qu'il est fourni avec pas mal d'exemples, divers et variés.
Je vais vous montrer quelques-uns, notamment l'établissement du planning de professeur, l'allocation de serveurs, de ressources serveurs, tout en minimisant les coûts, c'est possible. Le problème de réduction de la distance, par exemple pour la logistique ou le fameux problème du voyageur de commerce qu'on a tous étudié à l'école d'ingénieur, c'est pour ceux qui ont fait ingénieur. Mais aussi des cas un peu spéciaux comme la gestion du plan de table pour un mariage, pour alterner hommes et femmes, pour diluer un peu les professions, ou pour que Tata Suzette et Tonton Roger, qui n'arrivent pas à se saquer, bah, ils ne soient pas côte à côte. Voilà, on peut définir toutes ces règles-là et lui fournir à Optaplanner et il sait faire. Alors, comment démarrer avec Optaplanner? L'idée, c'est que bah, nous, en fait, pour démarrer, on est parti d'un problème from scratch. Alors, gros fail, surtout en plus, c'est du Java. Et du coup, en fait, on n'y est pas arrivé, c'était très compliqué. La bonne idée, c'est de prendre dans les exemples qui sont fournis les bonnes idées. Du coup, c'est comme ça qu'on a démarré, et c'est comme ça qu'on a pu avoir quelque chose. Il faut modéliser le problème, voir quels sont nos objectifs, quelles sont les ressources. Dans notre cas, bah, l'objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de maximiser le nombre de rendez-vous, satisfaire les participants. Et les ressources, dans notre cas, c'est les créneaux de rendez-vous et les lieux de rendez-vous. Les contraintes, alors Optaplanner fonctionne avec des contraintes hard et soft. Hard, c'est un rendez-vous, je ne peux pas le placer parce qu'il n'y a pas de disponibilité, parce que le participant, il a déjà fait tous ses rendez-vous, etc. Et soft, ça permet d'optimiser. Par exemple, si le participant a un lieu attribué, bah, on va, grâce aux contraintes soft, optimiser le fait que les rendez-vous soient sur son stand. Du coup, la modélisation, bon, je vais passer rapidement. Grosso modo, voilà, j'ai mon rendez-vous. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Sur le meeting, j'ai un slot et un spot. Le slot, c'est le créneau qui est par défaut annule. Et le spot, c'est le lieu qui est par défaut annule. Donc ça, on fournit un rendez-vous sans lieu et ni créneau à Optaplanner. Et Optaplanner va se charger de prendre dans les ressources pour l'attribuer au rendez-vous. Et Optaplanner va fonctionner avec des annotations. Je passe rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc les annotations, on les retrouve aussi dans le code. Donc là, c'est notre classe métier, c'est notre classe domaine meeting, dans laquelle j'ai mon fameux créneau et mon lieu. Et lui, enfin, pour Optaplanner, j'ai une annotation planning variable qui permet de dire, voilà, c'est une ressource, tu vas piocher dans les ressources pour lui attribuer ces valeurs-là. Bah, il n'y a pas que Java, super, il y a Drools. C'est un langage qui permet de définir des règles métiers dans Optaplanner. Ce n'est pas dédié à Optaplanner, hein, c'est quelque chose qui est apparemment connu dans le monde Java. Du coup, ça se présente comme ça en fait. Ça ressemble à du test fonctionnel en fait, où on a des règles. Ici, j'ai une règle hard, donc j'ai un conflit d'indisponibilité. Quand mon rendez-vous a un conflit d'indisponibilité, alors je vais pénaliser ma solution. Donc là, du coup, j'introduis ce que ça fait en fait, c'est que notre solution, on ne va pas leur donner un score, on va pénaliser la solution. À chaque fois qu'on trouve une règle, on va pénaliser suivant une pondération. Donc là, il y a une indisponibilité, je vais pénaliser de 10 points. Un autre exemple, si le participant il a consommé tous ses crédits de rendez-vous, pareil, je vais le pénaliser en hard, comme ça les rendez-vous ils peuvent pas être placés. Medium, la contrainte medium en fait c'est l'objectif. À chaque fois que tu ne m'as pas posé mon rendez-vous, je vais te pénaliser d'un point. Donc on va, grâce à ça, aller vers la solution qui pose le maximum de rendez-vous. Et du coup, la contrainte soft, c'est ce qui permet d'optimiser. Donc là, j'ai un exemple sur la satisfaction du participant. On va partir de 100%, il est super satisfait. Et par créneau de 10%, on va pénaliser la solution de moins un point. Donc si un participant est satisfait à 50%, on va enlever moins 5 points à la solution. Et c'est grâce à ça que, en fait, on va répartir les rendez-vous
équitablement pas sur les utilisateurs, sur les participants. Alors, démo, donc là j'ai. Ça marche. J'ai les fiches, en fait, c'est les sociétés, j'ai les lieux et j'ai les participants. Et là, j'ai des rendez-vous qui sont déjà placés, j'ai des rendez-vous qui doivent être placés. Et là, c'est l'interface visuelle d'OptaPlanner. Hein. C'est un swing. Bon, bref, je vous passe les détails. Mais là, c'est juste visuellement comment ça se passe. Donc là, en une seconde, il a placé les rendez-vous. Bon, là, c'est un jeu de données très très petit pour visualiser. Mais en réalité, on travaille sur des jeux de données enfin, sur des données bien plus vastes. Donc là, j'ai sorti quelques exemples sur un événement où on a 630 demandes de rendez-vous acceptées. On a réussi à en poser 560, donc il y a 89% de transformation. Ça a pris 3 minutes parce que j'avais beaucoup de ressources en créneau de rendez-vous, en lieu de rendez-vous. Et sur un autre événement, par contre, j'ai 10 fois plus de demandes de rendez-vous acceptées. Et on a quand même 80% de transformation, mais ça a pris 6 heures. Ça a pris 6 heures surtout pour optimiser les lieux, etc. Et surtout sur cet événement-là, il y avait très peu de ressources. Donc c'était sur une journée. Donc là, c'est deux événements qui sont sur une journée, mais du coup, en nombre de créneaux de rendez-vous, c'est le même nombre. Donc c'est beaucoup plus complexe à planifier avec peu de ressources. Et du coup, par rapport à Avance, par rapport à notre client, en fait, il avait un logiciel installé sur un poste fixe. Et aujourd'hui, il a une application hébergée utilisable en ligne de commande. Il n'a pas l'interface qu'on a vu tout à l'heure, hein. C'est une ligne de commande, il ne la voit pas. Et du coup, avant, il faisait un import-export de fichiers. Maintenant, bah, il clique sur un bouton depuis son back-office. Et il peut paralléliser les calculs, il peut lancer pour plusieurs événements des planifications. Et il a constaté en moyenne qu'il a 10% de rendez-vous en plus. Sympa. Et du coup, bah, en bonus, il peut aussi relancer des calculs quand il veut, en fait. Puisqu'en fait, les rendez-vous qui sont déjà placés, bah, on les garde. Mais on dit, bah, on peut les bouger si on veut. On va les bouger de lieu, on va les bouger de créneau si ça permet d'optimiser. Donc, je ne sais pas si ça se voit, mais on augmente un petit peu à chaque fois le pourcentage de satisfaction. 87%, 89% à chaque relance de calcul. Si vous avez un objectif de planification et d'optimisation, vous avez des contraintes, des règles métiers et des ressources limitées, que ce soit des ressources métiers ou des ressources serveurs pour le temps de calcul, ben OptaPlanner peut vous aider. Merci. Ma question, c'est est-ce qu'il est capable de gérer des jeux de données qui se remplissent au fur et à mesure? En gros, il remplit petit à petit un planning, quelque chose comme ça, il s'adapte aux nouvelles entrées sans déplacer celles qui existent déjà. En gros, en adaptant et en essayant d'avoir toujours l'optimum, en sachant qu'il peut y avoir encore à nouveau des données aléatoires qui arrivent. En fait, on le fait déjà, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Bon, en fait, ici, c'est qu'on a lancé plusieurs planifications et à chaque fois, on lui fournit ce qu'il a déjà planifié, plus les nouvelles demandes de rendez-vous acceptées. Et du coup, pour les rendez-vous déjà placés, on va lui fournir en lui disant, bah, tiens, ils sont déjà placés sur un créneau ou un lieu. Mais tu peux les bouger. Si ça te permet d'optimiser et de satisfaire plus d'utilisateurs, tu peux le faire. Il y a un truc que j'ai pas compris quand tu as des contraintes dures et que du coup tu les pénalises par une pondération. Je sais pas, enfin, ce que j'avais compris sur une contrainte dure, c'est une contrainte qu'il faut absolument respecter. Par exemple, il n'y a pas deux rendez-vous en même temps au même endroit. Et du coup, en la pondérant en négatif, est-ce que tu risques pas quand même d'arriver à une solution où, malgré ce problème-là, ben, le reste est tellement bien que ben, ça reste une solution valable. Alors, en fait, ça pénalise pour un rendez-vous, en fait. Il va juste pas placer ce rendez-vous-là, en tout cas dans notre problème. Après, j'imagine, il y a d'autres problèmes où, en fait, le score, c'est, par exemple, sur le problème de distance, en fait, le score, c'est la distance minimum. Donc, en fait, tu vas calculer la distance minimum. Ça dépend vraiment des problèmes là-dessus. On a vu que tu connais, enfin c'était du code en fait, tes entités métiers, tes contraintes. Est-ce que tu peux rajouter dynamiquement des contraintes? Genre en fait, bah, ce mec-là, il ne veut pas rencontrer ce mec-là, ou pas de mec de cette société-là, ou des trucs comme ça. Alors, dans notre exemple, non, mais dans l'exemple du plan de table de mariage, en fait, il y a des règles générales. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il fournissait aussi un fichier de Tata Suzette rencontre pas Tonton Roger, des trucs comme ça, des règles bien spécifiques.
Mais après, le calcul, en tout cas dans ce qu'on a fait, c'est tu lances le calcul, tu obtiens une solution. Tu ne peux pas interférer pendant le calcul. Ce qu'on fait, nous, bah, on obtient une solution. Avec cette solution, on peut rajouter d'autres éléments, on peut rajouter d'autres règles et relancer un calcul derrière. Il y aurait moyen par exemple de dire écoute, j'ai pas un slot de te permettre de faire le calcul pour faire l'aille plus loin dans les calculs et peut-être passer de 89 à 91%. En fait, ce genre de problème, plus on laisse tourner les calculs, plus on s'approche sur un optimal. Après, dans les exemples qu'on a eu sur ce problème-là, on a laissé tourner, une fois j'ai laissé tourner pendant 24 heures, et au final, au bout de 8 heures, il a trouvé son optimum, il bougeait plus en fait. Il posait plus de nouvelles demandes de rendez-vous, il bougeait plus les rendez-vous. Et en fait, finalement, il est un peu coincé, du coup, je ne sais pas si c'est la solution idéale, mais en tout cas, il a trouvé. En tout cas, on parle de solution optimale. Quelle que soit la solution, c'est une solution optimale. Dès lors que ça satisfait nos règles pour dire, voilà, les participants sont satisfaits à 80% minimum, etc.